Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Cooking by Mimi. En cette période de froid, j'ai décidé de partager avec vous aujourd'hui la recette de cette soupe à la semoule d'orge qui est riche en fibres et en fer et qui est très bonne pour l'organisme. Vous allez voir, elle est très simple et rapide à préparer. Cette soupe, vous la servez bien chaude avec un filet d'huile d'olive. Elle est très très bonne, je vous conseille de la réaliser. Donc sans plus attendre, je vous laisse maintenant avec la suite en vidéo. Pour les ingrédients, on aura besoin ici de la semoule d'orge fine. Pour la semoule d'or, je vais vous mesurer ça avec un verre, un litre d'eau, du lait, une cuillère à café bombée de sel, une demi cuillère à café de poivre, ainsi que deux grandes lamelles d'oignon. Donc ici, au préalable, j'ai mis à bouillir un litre d'eau, donc que je vais verser dans mon faitout. J'y mets mes deux grandes lamelles d'oignon. Donc, ici, il vous est aussi possible de découper un demi-oignon et de l'ajouter à votre eau, mais moi je préfère les déposer comme ceci. J'ajoute ensuite ma cuillère à café de sel, ainsi que ma demi-cuillère à café de poivre. À ce stade-là, si vous aimez le cumin, vous pouvez ajouter une cuillère à café. Donc, ici, pour la semoule d'orge, je vais mettre un verre. Je le verse dans mon saladier, je vais venir le rincer pour enlever l'excédent d'amidon. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et bien sûr à activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes vidéos. Voilà, je le passe à la passoire et je le rince à nouveau une deuxième fois. Et ensuite, je viens verser ma semoule d'orge dans l'eau. Il vous est aussi possible d'ajouter du thym dans votre eau, mais là pour ma part, je l'ai vraiment fait nature. Après avoir ajouté ma semoule d'orge, je vais maintenant mélanger avec ma cuillère en bois. N'hésitez pas à tester cette recette. Elle est riche en magnésium, riche en calcium, c'est vraiment bon pour les enfants et pour la santé. Et on laisse cuire à feu doux pendant environ 40 minutes tout en remuant de temps en temps. Donc voilà, je vais la couvrir, je mets ma petite spatule en bois pour ne pas fermer totalement mon couvercle. Vous allez voir, la soupe va commencer à s'épaissir. C'est une soupe qu'on boit beaucoup pendant l'hiver, qui se consomme aussi le matin. Donc n'hésitez pas à remuer de temps en temps pendant la cuisson. Passez ce temps, maintenant on va venir ajouter le lait. Donc pour ma part j'ajoute deux verres de lait, mais libre à vous d'ajouter un peu moins ou un peu plus. Donc vous ajustez selon vos goûts. Attendez vraiment la fin de la cuisson pour ajouter le lait pour que celle-ci ne déborde pas. Je ferme le couvercle et je laisse cuire à nouveau pendant environ 5 minutes. Et voilà, ma soupe est prête à être dégustée. Je vais la verser dans un bol. Je vais y ajouter de l'huile d'olive. En général, on ajoute l'huile d'olive pendant la cuisson, mais moi je préfère l'ajouter à la fin pour garder tous ses bienfaits. Vous pouvez aussi y ajouter du cumin, c'est selon vos goûts. Une recette délicieuse par cette période de froid qui plaira à vos enfants et qui est aussi très bon pour la santé. Et voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à la partager à vos amis et à votre famille. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo.